Bonjour et bienvenue au Coup de grâce. Aujourd'hui, on va cuisiner une recette facile, simple, vraiment estivale. J'ai demandé justement à mes fans sur Facebook qu'est-ce qu'ils avaient envie, puis ils voulaient de quoi qui est pas trop chaud, qui est facile à faire. Donc, on va faire des tataki de thon grillé avec une croûte de sésame. Vous allez voir, c'est débile, puis c'est super simple. Fait que ça ressemble à ça. On commence-tu? Sam, c'est quoi avant cette bière mauve-là? Cette bière mauve-là, c'est une nouvelle éphémère bleuet de Unibrew. Vraiment, une bière qui est crisp, qui est légère. Ça vaut la peine d'essayer ça. Moi, je l'adore. Chill, mon gars. Bonjour et bienvenue au Coup de grâce. C'est vrai, tu as le micro dans la gueule, je m'excuse. On va avoir besoin de deux steaks de thon rouge frais à température pièce, de l'huile de sésame et des graines de sésame, le jus d'une demi-lime, du miel, des oignons verts tranchés et du sel du poivre. Donc, on commence par mélanger tous les ingrédients dans un grand bol, évidemment, sauf les steaks de thon. Ah! Alright, donc j'ai mélangé les ingrédients. Ensuite, je rajoute les steaks de thon à l'intérieur, comme ça ici. Et je les brasse bien pour bien enrober le tout des bonnes saveurs. Ensuite, on réserve ça sur le comptoir, température pièce pendant 10 minutes maximum. Pendant ce temps-là, on boit une petite bière. Après ça, t'enrobes les steaks de graines de sésame. Donc, nos steaks de thon sont bien enrobés de sésame. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est les faire griller dans la poêle. Oh yes! Quand on a pas les choses, on ajoute l'huile et on attend une minute. Ensuite, on fait cuire les steaks de thon 30 secondes de chaque côté maximum. Après ça, on les dépose dans une assiette, on les laisse reposer pendant 3 minutes. Et ensuite, on coupe en belles tranches minces. Donc ça y est, c'est prêt, les steaks sont cuits. Oh man, ça sent tellement bon! Donc on garnit d'un petit peu d'oignon vert sur le dessus. On goûte à ça avec un petit peu d'oignon, on trempe dans la tamari, mon gars. C'est bon, c'est frais, c'est parfait pour l'été. Oh, j'aime ça! Yes! Donc, évidemment, pour plus d'idées de recettes incroyables et décadentes, je vous invite à visiter mon site web, lecoupdegrâce.ca. Et n'oubliez pas, si j'étais vous, je détacherais ma ceinture tout de suite. Chaîne, mon gars! Bonjour et bienvenue au Coup de grâce. Aujourd'hui, on fait une recette simple, fresh, vraiment automnale. Automnale? Fuck! I donne une chance.